Bonjour, bonjour. Je vais toucher sur le sujet du divan aujourd'hui. Et je veux qu'on reconditionne le principe qu'on a dans notre tête. Est-ce que vous savez que Dieu avait mis les divins, c'est-à-dire les personnes qui consultent, pour guider concernant la vie d'un enfant? Donc, avant qu'un enfant ne naisse, quand la femme était enceinte, elle partait chez ceux que vous appelez marabout. Elle s'assoit, elle demande que qu'est-ce qui va se passer dans la vie de cet enfant? Elle demande, il sera quoi? Comme il vient sur la terre, il vient pour faire quoi? Elle demande, donc elle posait toutes les questions qui allaient aider pour qu'elle s'occupe mieux de cet enfant. Aujourd'hui, les choses ont été faites de telle façon que quand vous êtes enceinte, les pasteurs à l'église vous ont fait croire que c'est la sorcellerie si tu peux consulter pour savoir l'avenir de ton enfant. Et on attend seulement au hasard pour qu'un jour Dieu parle. Dieu va parler quand il veut. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Vous avez beaucoup d'enfants avec vous. Et vos enfants, vous ne connaissez rien sur leur futur. Vous ne connaissez rien sur leurs dons. Vous ne connaissez rien sur leurs talents. Vous ne connaissez rien de rien. Tu ne sais pas pourquoi ton enfant est là. Tu as 5 enfants, tu les nourris seulement. Si tu veux nourrir des êtres vivants, mais va faire la porcherie. Va faire la porcherie ou bien tu vas faire le poulailler. Tu les nourris. Donc quand tu vas les nourrir maintenant, à la fin, tu vas les tuer, tu vas les manger. Ce qui fait que nos enfants aujourd'hui sont là, perdus. L'enfant ne connaît pas quels sont ses dons. Les enfants ne savent pas. Tu vois, l'enfant aussi là comme ça. Tout ce qu'on lui a dit, pas à l'école. Pour voir le premier jour de la rentrée, comment vous êtes content. Et mon fils part à l'école. Et mon fils part à l'école. Tout ce qu'on va dire à l'école à l'enfant. Mathématiques, histoire, géographie. On ne va pas mettre ce qui va aider ton enfant pour qu'il connaisse sa mission sur la terre. On ne va même jamais lui parler de mission. À l'école, on éduque vos enfants pour qu'ils aient travaillé dans une usine, qu'ils aient travaillé dans une entreprise, qu'ils aient travaillé pour quelqu'un de mort. C'est comme ça qu'on a une jeunesse qui est perdue. Même vous. Combien d'entre vous connaissiez votre vision, votre mission de vie? C'est à 45 ans que tu connais tes dons. Tu commences à connaître tes dons. C'est à 45 ans que tu commences à te dire, peut-être je suis censé faire dans tel truc. Hein. Depuis que tu as 3 ans, tu es attiré par le piano, la musique. Dans les rêves, tu composes les chansons. Chaque jour, tu composes les chansons. Tu as composé les chansons dans les rêves jusqu'à ta paix venue. Tu ne sais pas que quand Dieu crée quelqu'un, il te met sur la terre avec les choses que tu es censé faire. Donc ton enfant que tu as à la maison qui a 7 ans là, ton enfant de 7 ans là, de 8 ans là, il y a les choses que l'enfant est censé faire. Ton enfant de 3 ans là, il a les dons en lui. Il y a les choses qu'il est censé faire. Il a des aptitudes. Toi, tu vas voir l'enfant de 2 ans. Il aime la musique. Il s'en fait que chanter. L'enfant reste, il fait que prendre ton téléphone. Il met la musique, il chante.
va fréquenter, va fréquenter. Tu es zéro à l'école. Alors qu'il y a des enfants qui aiment dessiner. Ils ont à dessiner sur tous vos murs à la maison. Tous vos murs à la maison, ils ont à dessiner sur ça. Ils dessinent, tu vois, tu le tapes. Tu le tapes. Est-ce que vous connaissez l'éducation qu'on donne à un roi ou à un prince? Quand le prince naît, déjà, quand la, je suis sûre que quand la, la mère enceinte, allez voir dans la Bible, Samson, Jésus, Jean-Baptiste. La majorité de ces personnes qui ont changé le monde, leurs parents ont su très tôt. Il dit que quand l'enfant est encore dans le ventre, si tu connais ça, c'est que tu ne peux même plus jamais avorter. Que tu vas voir quelqu'un comme ça, tu vas dire que pardon, donne-moi l'enfant là, pardon, ne tente même pas d'avorter. Dès que l'enfant est dans le ventre, on dit que l'enfant, s'il va changer le monde, il sera président, il va faire la musique, il va faire de l'art, oh, il va écrire des textes, des trucs qui vont changer la constitution du monde entier. Il sera peut-être, il va sauver les animaux. On te dit quand ton enfant est dans le ventre. Quand l'enfant naît, vous avez pris la maternité ou bien la paternité comme le jeu du hasard. Ça m'en peut plaire aux gens. Et c'est comme ça que vous êtes perdus. Vos enfants sont perdus. Voilà, vous avez déposé les enfants à l'école le matin, non? Oh, mon enfant va à l'école. Oh, oh. Parce que tu as mis le sac sur le dos de l'enfant. Tu as pris le pain que tu as mis dans son sac. Tu as pris le jus que tu as mis dedans. Tu crois que tu as tué? Bonjour, bonjour. Demandez à vos enfants quand ils rentrent de l'école, qu'est-ce qu'ils font à longueur de journée. Asseyez-vous, vous leur demandez, ok, quand tu es arrivé de 7h30 à... Vous avez commencé les cours après combien de temps? Est-ce que tous vos professeurs qui sont censés venir là, est-ce qu'ils sont venus? Je ne suis pas là pour vous édifier, je suis là pour que vous changez les choses. Parce que sinon, je serais juste une... Vous allez me regarder comme la télé. Après, rien ne va changer. Et dès que le parent rate, l'enfant va rater sa destinée. Tu vas exposer l'enfant à une panoplie de choses. Avant que l'enfant n'ait 7 ans, que tu l'aies mis au judo, au karaté, au piano, au basket, tu le mets dans tout ça. Tu testes. Et tu observes ton enfant aussi. Qu'est-ce qu'il aime faire naturellement? Tu pars, tu consultes pour l'avenir de ton enfant. Ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas la méchanceté. Même si tu as un salaire de 50 000, l'enfant que tu as accouché, il a quelque chose à faire. Tu te retrouves avec le salaire de 50 000 parce que tes parents n'ont rien fait pour que tu accomplisses ta part. Et si tu continues à ne rien faire pour ton enfant, lui aussi ne va pas accomplir sa part. Il va finir demain avec un salaire de 60 000. Et c'est fou, franchement, quand je regarde, très rarement, je lance souvent les lavages des enfants ici, je lance des promotions. Vous ne lavez pas vos enfants. Très rarement, tu vas voir une femme qui va te dire qu'elle veut lire l'avenir de son enfant. Déjà, même c'est à peine si elle-même elle consulte. C'est à peine si la femme elle-même consulte d'abord pour elle-même. C'est à peine. Imagine quand l'enfant avait peut-être 3 mois dans le ventre. Ou 5 mois. Ce n'est même pas question de bonne personne pour les consultations. Hein. Quand tu cherches, tu trouves. Et votre problème, c'est que quand vous cherchez, vous tombez sur un truc qui n'est pas bon. Pour vous, c'est bon, vous voulez vous arrêter.
Vous pensez que la vie est facile? Voilà, tu es l'ombre de toi-même. Si mes parents m'avaient aidé à temps, j'aurais pu faire ça. Si mes parents m'avaient aidé à temps, j'aurais fait ça. Tu ne sais pas que tu es en train de faire la même chose sur ton enfant. Oh, j'aime mon enfant. Hein. J'aime mon enfant. Hein. Tu aimes ton enfant comme on t'a dit d'aimer. Tu aimes ton enfant comme les gens là t'ont dit. C'est comme la société t'a dit. Ton enfant ne va pas à l'école, pourquoi? Hein? Qu'est-ce qu'on fait à l'école? Quand l'enfant part à l'école, qu'est-ce qu'on dit à ton enfant dans l'école là? Bonjour la reine Marie. Écoutez. Tu envoies ton enfant, on l'endoctrine. Des gens que tu ne connais pas. Une femme s'est levée au quartier comme ça, elle a dit, il faut que j'aie l'école. Ça donne l'argent. L'école donne l'argent. Il faut que j'ouvre l'école. Elle cherche des enseignants aussi comme ça. Te voilà, tu passes, tu vois, les couleurs de l'école sont bien. Il y a du violet, il y a du jaune. Oh, il y a les fleurs. Oh, j'ai vu la balançoire à l'intérieur. Tu peux inscrire ton enfant là-bas. Te voilà, chaque matin, tu vas confier un enfant sur lequel tu as souffert. Et tu es même fier, tu les payes pour ça. Oh, ça c'est l'arnaque, ça c'est le guet-apens. Ça c'est l'arnaque. Je te paye pour que tu mettes ce que je ne connais pas dans mon enfant. Donc je te paye. Et après je vais cramer. Ouais, je paye 3 millions pour l'école de mon enfant. Je paye 3 millions. Réfléchissez. Bonjour Isis. Voilà, tu dis que ton enfant ne parle pas. Et je dis toujours aux parents, hein, ne t'attends pas. Quand je vois parfois un parent, il dit à son fils de 30 ans, occupe-toi de moi financièrement, envoie-moi l'argent, envoie-moi l'argent. Je dis que tu te demandes qui t'envoie l'argent. Est-ce que quand l'enfant là grandissait, tu t'es assuré? Est-ce que tu t'es assuré que dans cet enfant, tu as mis ce qu'il fallait pour qu'il devienne riche? Tu as montré ce qu'il fallait. Certains de vos parents, tu grandis, on ne t'a donné aucune opportunité. Finalement, tu bosses, tu te lances comme ça. 3 ans plus tard, tu te retrouves en France. Après avoir traversé tous les pays là, tu te retrouves en France. Quand tu arrives en France, tu tapes encore 3 ans. Ton père ne connaît pas comment tu as fait. Moi, ça te dit, envoie-moi l'argent. Envoie-moi l'argent. Je dis, mais papa, tout ce que je suis aujourd'hui, c'est moi qui ai cherché. Tout ce que je fais, c'est moi qui ai semé. Au contraire, parce que si je suivais ce que toi, tu m'avais montré, c'est que je ne serais rien ici. Assurez-vous que vous positionnez bien vos enfants. C'est bien que demain, quand tu as 70 ans là,
tu dis que tu ne travailles plus, ton fils peut s'occuper de toi correctement. Il va attendre que tu meurs pour venir prendre ta maison. Voilà. Derek, prépare bien donc là. Prépare donc bien pour ton enfant. Et quand vous partez chez les divins là, qui vont vous dire les choses sur vos enfants, je sais qu'il y a les négatifs, il y a les positifs. Les gens qui vont venir vous dire, toute personne qui a été appelée par Dieu, quand il va te donner les instructions, il va te montrer ce que l'enfant est censé faire, ses pouvoirs. Il y en a même qui peuvent te parler des vies antérieures de l'enfant. Il va te donner les instructions par rapport à cet enfant. Samson, par exemple. Jean-Baptiste. Pour Samson, on avait dit qu'on ne coupe pas ses cheveux. Bon, la mère, quand elle était enceinte, avec quand l'enfant va naître, on ne coupe pas ses cheveux. Quand il va grandir, je crois que la mère ne devait pas, il y a quelqu'un qui ne devait pas boire d'alcool. Je crois aussi que ça devait être Samson, un truc comme ça. Donc le divin va te dire ce que tu vas devenir, mais il faut aussi te dire ce que tu vas faire pour que ça arrive. Pas le genre qu'on dit que tu es un grand enfant, ton fils sera un grand type, il sera un grand homme. Après on te laisse comme ça, là tu l'as. Je fais comment? Je fais comment? Donc, je suis en train de préparer des cours de spiritualité pour les enfants. J'ai reçu beaucoup d'instructions par rapport à ça. Dieu m'a tellement demandé de faire ça, mais il est tourné, tourné, tourné. Il y a vos enfants que ils font déjà des rêves. Ils ont des dons. Mais comme il y en a, ils ont besoin que vous protégiez leur énergie. Il y a des mauvais esprits qui peuvent venir dans votre maison. Ils peuvent attaquer que vos enfants. Souvent tu vas voir l'enfant, il fuit sa chambre, il veut plus dormir dans sa chambre. Tu fais n'importe comment, il dit maman, il fait qu'il vienne dans ton lit. Il y a quelque chose dans le lit, dans la chambre de cet enfant-là. C'est pour ça que vos enfants aiment tellement les Marvel. Tu vas voir, l'enfant va aimer les Superman, Spider-Man. Parce qu'il y a, quand l'enfant est encore petit, les pouvoirs sont tellement en lui. Certains enfants, vous devez les laver au sel. Certains ont même fait on doit faire des lavages spéciaux pour eux. Les affaires qu'on disait avant qu'on fermait l'œil de l'enfant là. Certains, on doit rouvrir leur œil. Certains enfants tout petits, ils doivent même déjà commencer à soigner les gens. Bonjour à tout le monde. Bonjour Nina. Voilà Fatou, on a bien dit que lui-même il se protège. Il y a certains de vos enfants qui sont tellement puissants que dans votre maison là, c'est ton enfant qui te protège, tu ne sais même pas. La nuit là, ton enfant bagarre et bagarre dans la maison là jusqu'à. Et apprenez à investir sur vos enfants. Apprenez à investir sur vos enfants. L'enfant, c'est pas seulement pour chercher les Air Max. Chercher les Adidas.
pour qu'on voit, waouh, ton enfant est beau, hein. Oui, il est beau physiquement. Dans l'enfant, il y a quoi? Tu as nourri quoi? Tu es en train de grandir quoi dans cet enfant? L'enfant n'est pas fait pour te gâter seulement. Tu lui enseignes la discipline, la prière, la méditation. Le matin, comme ça, il se réveille, tu lui demandes ses rêves. Bonjour. C'est aussi que beaucoup d'entre vos enfants, quand ils me regardent, ils savent pourquoi. Ils m'aiment beaucoup. Mon école que j'ai fait dans les vacances là pour les enfants, on fait l'entrepreneuriat. Ils apprennent à fabriquer. Cette année, alors c'était grave. Ils ont appris, ils ont fait le jeu d'échecs, ils ont fait le judo, ils ont fait la danse, ils ont appris à fabriquer le gel douche et le gel pour les mains, le savon pour laver les habits aussi. Savon liquide. Ils ont appris à fabriquer le vinaigre. Ils ont fait les cours de secourisme. Ils ont appris à fabriquer les porte-clés. Ils ont appris à fabriquer les croquettes. Ouais. Ils ont appris à faire des gâteaux. Et tout ce qu'ils fabriquaient, je disais toujours qu'on orientait ça dans le business. C'est-à-dire quand on fait le gâteau, on monte à l'enfant, tu mets les ingrédients, après tu coupes, tu vends. Si tu vends tel pas à telle somme, ils ont appris encore quoi? Ils faisaient aussi des cours d'entrepreneuriat. Et j'ai un livre que j'ai écrit pour les enfants. Ça s'appelle Mon cahier de vision. Achetez ça pour vos enfants, s'il vous plaît. Je ne vais pas vous mentir, mon ministère avec les enfants, je l'ai mis de côté un peu depuis un an. Je l'ai vraiment mis de côté. Dans ce livre, j'aide votre enfant à découvrir son potentiel. Puis ils ont aussi fabriquer les bougies. Non, les enfants n'ont pas fait les bougies. C'était pas avec eux. C'était avec les employés, pas les enfants. Vous devez aider votre enfant à découvrir une vision pour sa vie. Vous devez aider votre enfant à comprendre que le divin, son intuition, ses rêves, ses désirs ne sont pas du hasard. Même les gens que l'enfant admire, ça a à voir avec les dons de l'enfant. Peut-être ton enfant reste, il a mis beaucoup miraculous, comme tu dis là. Qu'est-ce qu'il y a dans miraculous? Qu'est-ce qu'il y a dans miraculous? Donc voilà que les enfants ont appris à fabriquer les bougies aussi. Donc je ne savais pas ça. Quand j'ai créé le centre, ça fait 2 ans. Donc ça c'était la 3e année qu'on avait le centre. Donc on va continuer l'année prochaine. Quand j'avais créé le centre, ma vision c'était tout sauf l'école. Le cahier de vision, ça coûte 10 000 francs. Donc si vous arrivez à Marquepé, dites que vous voulez un cahier de vision. C'est dans la vitrine là en haut. Il y a aussi un autre livre, comment planifier le futur de son enfant. C'est aussi moi qui l'ai écrit. Comment planifier le futur de son enfant. Parfois Dieu va vous donner des messages à travers votre enfant. Parfois, Dieu va vous utiliser pour guider la vie de votre enfant. Donc, la relation parent-enfant, ce n'est pas seulement « va me laver les assiettes ». L'enfant doit savoir que ma mère m'écoute. Ma mère veut que j'accomplisse le meilleur de moi. Tu peux être en France, hein. Tu as immigré, tu as beau ça fait 18 ans, tu es arrivé en Europe. Ton enfant aujourd'hui a 15 ans. Il devient un des grands acteurs de France ou même des États-Unis. Demain, c'est lui qui passe sur les films de Disney. Là, on parle tellement de la petite sirène noire.
Ça peut être un de tes enfants aussi qui devient, qui a ce rôle-là demain. Beaucoup d'entre vous, vous me comprenez. Moi, là, il manque tout enfant qui est à côté de moi, là. Et quand je coach moi-même les enfants au centre, là-bas, j'avais coaché les enfants en juillet. Je leur ai dit, cherchez une personne que vous admirez dans une entreprise quelconque. Il y en avait qui m'ont dit, ma mère a la clinique, ma mère a ceci. C'est vrai quand même que, vu les coûts de ce que je demande aux parents de payer, généralement, les enfants qui viennent là-bas, leurs parents ont quand même un peu d'argent. Mais je précise que tout parent peut se préparer. Tu peux te préparer. Chaque mois, tu mets 10 000 de côté. Ce qui fait que pendant les vacances, tu payes la place de ton enfant au centre sans souci. Donc, j'ai dit aux enfants, cherchez un endroit que vous admirez, une personne que vous admirez, et vous allez vers la personne. Ça peut être le patron de ta maman. Tu écris une lettre. Voilà, monsieur, j'ai mis votre entreprise et mon rêve demain, c'est d'avoir votre poste. Est-ce que je peux travailler dans votre entreprise, peut-être en tant que stagiaire durant le mois d'août? J'ai donné cette prescription aux enfants le 29 juillet. 28 ou 29 juillet. Le 31 juillet ou le 1er, j'ai un jeune homme de 15 ans qui était parmi les enfants que je coachais. Il vient avec sa lettre qu'il a bien écrite. Il vient me donner la lettre. Il dit que le mois passé, tu étais ici là comme élève, non? Il dit, madame, je vais être maintenant là comme assistant. Et sa lettre était bien écrite. Hein? Que vraiment, j'admire de Guidiga Academy, ce que vous faites pour les enfants. Voilà, il a rédigé sa lettre correctement. Et je ne vais pas vous mentir, c'était l'un des enfants les plus disciplinés, même en tant qu'assistant. Il était discipliné, même plus que les grandes personnes qui étaient là. Respectueux. Le premier mois, il est venu, sa mère m'a payé. Le deuxième mois, il est venu gratuitement. Et moi, je l'ai payé à la fin. Vos enfants ont besoin d'inspiration. C'est vrai qu'il y a quelques parents que vous gâtez beaucoup vos enfants. Donc, quand j'ai coaché vos enfants, ça ne m'avait vraiment pas... J'ai vraiment un peu insisté là-dessus. Vous gâtez beaucoup vos enfants. J'ai des enfants, peut-être on montre des trucs, on est en train d'enseigner peut-être un cours. L'enfant prend la légère, genre, mes parents ont l'argent. Ça, je pénalisais beaucoup ça. Donc, pour revenir au but de ma vidéo, les gens consultent, ils vont voir les divins, les oracles, les médiums, parce qu'ils ont besoin d'avoir, de connaître l'avenir. Vouloir connaître l'avenir de son enfant, ce n'est pas mauvais. Vouloir connaître, et quand on va vous dire l'avenir de l'enfant, ça va, il y aura quelque chose dans ton cœur qui t'a déjà un peu dit. Si tu es spirituel, même quand tu portes l'enfant dans ton corps, tu sens que l'enfant c'est là. Il y a quelque chose déjà qui te montre. Vous les mamans là, vous connaissez. Même quand vous étiez enceinte, vous aviez un lien particulier avec vos enfants. Il y a par exemple certains enfants qui ne te dérangeaient pas. Tu as eu une grossesse sans maladie. Parce que tu parlais avec ton bébé, tu dis que ne me dérange pas. Quand l'enfant naît, il grandit. L'enfant, il est calme, posé. Moi, je dis toujours que les enfants sont têtus ou dans tous les sens parce que vous ne vous connectez pas à l'esprit de vos enfants. Bonjour, le roi Ira. Donc, c'est important parce que, supposons que tu n'as pas encore l'enfant. Tu peux aller. Et sachez aussi qu'aucun enfant n'est le hasard. Peut-être que tu as été avec une femme un tout d'un soir pendant que tu étais même marié. Un enfant est né de cette relation. Même l'enfant là a un destin. Salomon était né en tant que deuxième enfant de la relation de David avec Bathsheba. Et Bathsheba, c'était la femme de quelqu'un. Donc, David est tombé amoureux de la femme de quelqu'un. Je ne sais pas s'il aimait ou pas. Je crois que son corps lui plaisait. On a tué la personne.
le mari de cette femme-là, il a fait, on l'a tué en guerre. On a tué le mari en guerre. Il a pris la femme maintenant, il l'a épousée. Elle conçoit le premier enfant. Dieu se fâche, il envoie le prophète. Il tue l'enfant. Quand il tue l'enfant, David demande pardon. Il s'humilie devant Dieu, il dit vraiment pardon. C'est là maintenant que de ces mêmes relations encore, Dieu donne Salomon qui est devenu le roi. Alors que David avait d'autres femmes qui étaient légitimes. Donc je sais aussi qu'il y en a, vous avez dit, ah moi je suis née en mariage. Ouais, mon père ne m'a jamais aimé. Non. Et si vous avez vos enfants qui demain tombent enceintes, ne faites pas que vos enfants avortent. Écoutez-moi bien. Dieu ne lance pas l'enfant dans ton ventre. C'est quand tu commences à chercher l'enfant, tu ne le trouves pas, que tu comprends que l'enfant ne vient pas par hasard. C'est là que tu comprends que l'enfant ne vient pas par hasard. Donc ta petite fille de 15 ans qui est tombée enceinte à la maison là, c'est parce que Dieu a voulu. Même si elle s'est retrouvée avec son petit gars du quartier, ils ont fait l'enfant entré. C'est quand plus tard tu te mets, tu dis ok, maintenant je suis prête à avoir l'enfant, Dieu donne-moi l'enfant. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 ans, 5 ans, 6 ans, tu dis donne le contrôle par la fête là. C'est là que tu comprends. Il y a certains enfants qui viennent, ils sentent que l'environnement n'est pas bon pour lui. Il part. Il vient, il voit que ce n'est pas bon. Il part. Il meurt lui. Même quand il part, tu fais une fausse couche. Donc si demain tu découvres que ta fille est enceinte, tu sais quoi ma chérie, fais la fête à la maison. Ne frustrez pas vos enfants. L'enfant devait arriver dans votre famille. Au lieu de venir par toi, il est venu par ta fille. Oui, il est venu par ta nièce. C'est quoi cette affaire? Comment tu t'as frustré? Hein? Regarde, tu n'es pas prête. Tu vas faire comment pour t'occuper de l'enfant là? Hein? Laissez-moi tout ça. C'est Dieu qui donne. Maintenant, quand Dieu donne, il a un plan. Il ne faut pas venir pour interférer sur le plan de Dieu. Non, ce n'est pas le temps pour moi. Son père est parti. Il est parti, bye. Donc, dans la Tania qui dit que le bain de pipi a fait renaître la complicité dans son foyer. Ça, c'est super. Consultation en ligne, il y a les numéros là-bas. Tu écris sur un de ces numéros. Je rappelle qu'il y a une file d'attente. Donc, ceux qui veulent les consultations urgentes, vous allez payer 100 euros. Ceux qui veulent attendre, vous allez payer 50 euros. Vos enfants que vous avez envoyés à l'école le matin, là, quand ils vont rentrer le soir, sachez que chacun de ces enfants a des dons. Chacun de ces enfants est venu sur la terre pour accomplir 2, 3, 4, 5, 6 choses. Et tu peux être la femme la plus pauvre. Vous mangez le tapioca à la maison 2 fois par 3 fois par semaine. Spaghetti 2 fois par semaine. Le riz sauté le reste du temps. Peu importe. Mais ce n'est pas là où tu es qui va déterminer là où vous partez. Parce que dès que tu connais ta mission sur la terre, tu connais tes dons, tu commences à travailler maintenant dans le sang. Et aujourd'hui, on a les téléphones. Avec le téléphone, on a accès à tout. On a accès à toutes les formations, on a accès à tous les pays. Tu peux économiser l'argent. Tu achètes le terrain à ton enfant. Un terrain que tu as peut-être économisé, tu as acheté à 500 000 quand l'enfant a 2 ans. À 17 ans,
tu vends le terrain là. Tu dis à l'enfant, voilà ma part d'héritage que je te donne. Vous avez galéré parce que vous n'aviez pas pris des précautions. Vous n'avez pas pris des précautions. On n'a pas pris sur vous. Combien d'entre vous, quand tu as eu 18 ans, ton père a dit que voilà ton terrain que je t'ai gardé. Ou bien quand tu voulais te marier à 25 ans, il a dit, bon, voilà mon fils. Voilà, j'ai gardé ça depuis que tu as 2 ans. Tiens, voilà les papiers de ton terrain. Il faut seulement que tu construises dessus. Combien d'entre vous? Bah, toi, tu as dû te... C'est à 40 ans que tu as pu te marier. Non? Tu sais, il n'y a pas l'argent. Certains, ça fait 10 ans que vous vivez ensemble. Il n'y a même pas l'argent pour la cérémonie. Donc, ce que vous n'avez pas eu, donnez une chance à vos enfants d'avoir. Très important. Ce que vous n'avez pas eu, donnez une chance à vos enfants de l'avoir. La Bible dit qu'un good man, un homme bien, laisse un héritage à ses enfants. Tu peux acheter une grande parcelle. Ça te prend 10 ans pour acheter la parcelle. Tu divises. Voilà pour mes enfants. Voilà pour les enfants de mes enfants. Tu pars même dans les coins de doigts là où le terrain est encore à 1000 francs le mètre carré. Dans 20 ans, la ville sera arrivée là-bas. Tu dis que je vais vous donner chaque mois, je vais donner 50 000 pendant 5 ans. Tout ce qui vous manque, c'est la vision. C'est pour ça que vous galérez. Tu n'as pas besoin de la voiture, va acheter le terrain. Tu n'as pas besoin de la voiture. Vous avez des voitures de 5 millions là-bas dehors. Chaque mois, tu mets au moins 300 000 dessus la voiture. Si tu tombes aujourd'hui là, tes enfants, c'est fini. On va venir prendre toutes tes choses. Fais le terrain, tu mets au nom de tes enfants. Même l'enfant de dehors, tu mets à son nom. Tu ne donnes pas les papiers à sa mère, parce que sa mère va les vendre. Et n'attendez pas d'avoir le grand argent pour faire ça. Tout ce que je vous dis, je suis sûr que chaque mois, tu as au moins deux personnes qui te présentent les opportunités de terrain. Et on te dit que c'est loin. Ah, c'est loin. Prends. Il y a les endroits à Yaoundé, à Douala là-bas, que tu peux acheter le terrain là-bas. Ah. Tu avais 500 000, tu as une parcelle du terrain. Tu avais 500 000, tu as 500 mètres carrés. PK47, PK49. J'espère que ça entre dans votre tête. Les consultations divines, ce n'est pas pour venir parler de tes problèmes. Oh, j'ai mal laissé à la côte. Oh, j'ai mal. Qui m'a fait ça? Je savais. Demande ton futur. Qu'est-ce que tu m'as venu faire sur la terre? J'ai les consultations de mission de vie. Ça, très peu de personnes prennent ça. Très peu. Parce que vous êtes préoccupé seulement par ce qui est là devant vous. Oh, mon ex est parti. Oh, il m'a quitté. Yeah. Tu ne veux pas savoir pourquoi tu es venu sur la terre. Non, 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 non. Vous aimez être vide. Soyez vide.
Est-ce que moi j'ai le temps des gens? Tu sais que quand me regardent, ils ont un problème, non. De toutes les façons, quand tu mets quelque chose pour que les gens te regardent, si tu veux pas qu'on te regarde, tu te couvres, non. Tu mets le hijab sur ta tête. Bonjour le roi Feuillot, comment tu vas? Et quand on, si vous vous rappelez bien, juste qu'il y a eu quelques instances où on vous a parlé de la grandeur de vos enfants. Mais après, vous vous êtes dit, ah, tous ces messages qu'on vous a donnés là, ce n'était pas le hasard. Ce n'était pas le hasard. Il y en a parmi vous, vous avez les dons. Et vos enfants aussi, ils ont les dons. Vous allez même travailler ensemble. Tu vas guérir avec ton enfant. Dès vous doutez de vos spermes là, vos spermes sont puissants. Je suis sûr que tu n'es pas nécessairement pour aller au travail, c'est bon, c'est comme ça que ça commence. Après, tu commences à chercher. Tu cherches. Bonjour, le roi Saint-Pice. Et Dieu ne te donne que ce que tu as demandé. Seigneur, dis-moi, montre-moi ma mission de vie. Seigneur, les enfants, c'est que j'ai. Les quatre enfants que j'ai eu avec cinq mères différentes là. Oui. Tu as eu quatre enfants avec cinq mères différentes. Oui. Les quatre enfants, c'est montre-moi leur destinée, Seigneur. Tu vas te rappeler que quand tel enfant était en enceinte de tel enfant, quelqu'un est passé, t'a dit qu'on va là, ton enfant là, tu as oublié. Pourquoi tu vas te rappeler que oui, l'autre aussi, un jour, ma soeur est partie à l'église. Un prophète a prophétisé, il a dit que mon enfant, si, l'enfant était en vacances chez ta soeur, au hasard. Elle a pris l'enfant, elle est partie à l'église. Le prophète se met, il pointe l'enfant, il pointe l'enfant. Il prophétise sur l'enfant. On t'a dit, tu as oublié. Ton enfant a besoin de ces détails. Parce qu'on te dit tout ça. Supposons, on dit à ton, on te dit que ton enfant sera un grand écrivain et un grand acteur. Directement, tu peux faire quoi? Coup d'écriture. Coup de théâtre. Et voilà TikTok. Tu achètes le téléphone, tu dois à ton enfant. Tu dis que fais ta chaîne TikTok. Ou même déjà, même quand l'enfant a encore un an, tu fais sa chaîne TikTok. Tu mets ses vidéos ça chaque jour. Parfois, on te dit que non, ton enfant est très photogénique. Vous avez certains enfants qui sont tellement beaux. J'ai une nièce comme ça. L'enfant, elle est belle. Oh. Hey. Est-ce qu'on peut être belle comme ça, Adama? Le petit bébé là, elle dit qu'elle a un an. Jolie. J'ai déjà dit à sa mère fatiguée que pardon. Crée son compte TikTok. Chaque matin, tu l'habilles, tu la filmes, tu mets sa main sur TikTok. Il y a des gens qui vont voir comme ça là. Ça fera leur journée. Il y a certains enfants qui font beaucoup les grimaces. Il y a certains qui cassent vos tables à la maison. Filmez-vous, vous mettez sur TikTok. Vous allez avoir les millions de vues. L'enfant là va devenir star en deux mois sur TikTok. Écoutez, hein, aidez l'étoile de vos enfants à briller. Vous avez fait qu'on dit qu'on va voler son étoile. Oh, tu mets sa photo en ligne, on va voler son étoile. Quand tu es dans ta mission de vie, en tout cas, quand tu n'es pas dans ta mission de vie, tu es frustré. Tu es frustré. Il y en a parmi vous, vous savez que vous devez avoir ouvert des associations même, ou des orphelinats. Pour l'orphelinat, comment ça aller aider un orphelinat? On fait souvent les collectes de fonds pour les orphelinats et c'est là tu ne donnes pas. Aide une autre personne qui a déjà l'orphelinat, aide seulement la personne. Le moment va venir, ta voix va se créer pour ta part.
Quand tu n'es pas dans ta mission de vie, tu es frustré. Tu ressens ça, mais tu sens toujours que c'est pas vraiment ça que je voulais faire. C'est pas ça. Et quand tu es dans ta mission de vie, ça touche les gens. Soit ça les inspire, ça les guérit, ça les divertit. Il y en a parmi vos enfants qui sont très marrants. Ton enfant est tellement marrant. Et quand parfois il te fait les blagues, toi, mais ça te fait rire. Après, tu te ressaisis, tu dis, hey, tais-toi. Voilà. Donc, ton enfant est naturellement comédien. Avec sa comédie, il va détendre le cœur des gens. Il va détendre le cœur des gens. Vous avez vos jeunes petites filles là, 8 ans, elle est prise au téléphone, elle fait les photos. Elle fait ses petits trucs, ses tresses là, elle lisse bien ses cheveux comme ça là. Elle fait les photos. Et quand tu regardes les photos, tu te demandes, comment est-ce qu'elle m'a appris ça? Quand elle fait, ça donne vraiment. Imaginez un enfant qui est né star, mais qui naît dans une famille à Bafoussam. Quelles sont les chances pour cet enfant de briller? Très peu. Donnez l'opportunité à vos enfants, s'il vous plaît. Donnez l'opportunité à vos enfants. Tu vois ton enfant intéressé par le truc, tu le mets dans les cours de théâtre. Chaque fois qu'il y a un casting, tu pars avec l'enfant. On part pour ton casting. C'est le casting en Gaoundéré, tu es à Douala, tu prends le train avec l'enfant. Vous faites 2 jours en route, vous partez. L'enfant va se commencer à comprendre que mince, ma mère croit en moi. Hein. Hey. Mince. Et vous voyez souvent les Américains, là, vous pensez qu'ils sont partis la première fois qu'on les a pris. Il y a une là, elle s'appelle Marsha Martin. À 14 ans, elle était la plus jeune productrice d'Hollywood. Je crois qu'elle a déjà 18 ans. Et c'est depuis qu'elle a 4 ou 5 ans que ses parents sont investis dans sa carrière d'actrice. Elle a commencé à aller à l'école à partir de la maison. Elle faisait beaucoup de cours de théâtre, beaucoup de cours de ceci. Son père s'est vraiment investi sur elle. Vers l'âge de 8-9 ans, elle a commencé à avoir les rôles dans certaines séries. Mais les gens ne vont pas comprendre la vision que son père a eu derrière. Et j'ai écouté une de ses interviews quand elle avait peut-être 16 ans. Mais la fille, elle a du matériel. Quand elle parle, elle a de la matière dans le cerveau. Hein. Elle a de la matière dans le cerveau. Il y a les livres. Achetez les livres, vous donnez à vos enfants. Arrête, j'avais vu ton fils, je t'avais dit non. En fait, je crois même que tous tes enfants, parce que l'autre jour, j'ai vu tous tes enfants à Yaoundé. Ils ont des dons, pas. Donc, tu ne sais même pas l'onction qu'il y a sur toi, arrête. Tous les enfants que tu as accouchés là. Hein. Parfois, on m'a dit que ton enfant sera un grand chirurgien, peut-être. Ma chérie, même s'il a 2 de moyenne actuellement, cherche même 5 répétiteurs, tu mets derrière lui. Tu dis, mon fils, tu seras un grand chirurgien. Je crois en toi. Tu expliques la vision à l'enfant et tu travailles avec l'enfant. Je ne parle pas seulement des dons que vous n'allez rien faire avec. Je parle des dons qu'on va découvrir ça dans ton enfant. Tu vas activement faire quelque chose là-dessus. Tu vas activement faire quelque chose. Ok, mon fils fait des cours de théâtre 3 fois par semaine. Pour relever sa moyenne, peut-être ma fille fait des cours de répétition. Donc tu t'actives pour faire cela. Tu sais que ton enfant a 5 ans et il sera chirurgien demain. Tu commences à mettre l'argent de côté.
Comme je dis encore, tu achètes son terrain là. Tu mets de côté. Et vous savez, ce que je vous enseigne ici, j'ai pu tester ça sur ma propre fille. Je commence à enseigner depuis que ma fille a... Depuis 2016, où ma fille avait 7 ans. Tous les tours de coaching que je fais, elle écoute. Tous les Napoléon Hill que j'écoutais. Quand j'écoutais Napoléon Hill, ma fille était à côté de moi, elle écoutait. Après ça, en 2000, quand ma fille avait 7 ans, elle se lève un matin, elle dit, maman, je dois faire ma chaîne YouTube. T'as dit, hein? Oui, je dois faire ma chaîne YouTube. Ok. C'est quoi ton nom sur ta chaîne YouTube? Elle donne son nom. Quelque temps après, elle s'intéresse à la danse. Elle me dit, maman, je dois être danseuse. Vous allez voir que les choses qui attirent votre enfant. Quand vous allez consulter, on va vous dire que c'est, tu vas voir que c'est ce que l'enfant, parfois il se rêve, il se lève intuitivement, il commence à faire. Et je vous le dis encore, quand je dis à quelqu'un que ton enfant, ce sera quelque chose de bien, je connais de quoi je parle. C'est ma part de don là-bas que Dieu a donné. Parfois, il reste en salaire, je peux avoir des visions carrément, des flashs sur ton enfant. Je vois ce que l'enfant est censé faire dans le futur. Vous accompagnez l'enfant. Vous êtes comme un jardinier. Quelqu'un qui vous accompagne l'enfant dans ses dents, pour qu'il développe ses dents. Je vais vous mentir, moi je muscle beaucoup ma fille. Ah, je ne blague pas avec elle. Chaque mois, elle lit au moins 3 livres. Et pas les livres de développement personnel. Dès qu'elle finit un, je donne l'autre. Kobe Bryant, Malala Yousafzai, je sais que vous ne connaissez pas ces gens-ci. Ça, ce sont les noms qui sont dans le livre que j'ai écrit pour les enfants. Là-dedans, j'ai mis une sorte d'emploi de temps pour permettre aux enfants de se développer seuls. Donc même supposons, tu es en Europe, ton enfant au pays. Tu achètes. Pour ça, tu auras ta consultation un jour, tu as compris. Il faut écrire sur WhatsApp, tu demandes. Vos enfants ont des dons en eux que vous pouvez développer. Premièrement, il faut du matériel dans la tête de l'enfant. Les biographies sont très importantes. Ton enfant doit avoir l'histoire au moins de 2000 personnes dans sa tête. Les histoires de succès, pas vos fausses histoires là que oh, elle est partie là-bas après son mari l'a tué. Hein? Oui, ils se sont mariés, après ils ont divorcé. Hein? Après, non. Histoire à succès. Histoire à succès. Je veux que l'enfant voie comme... Ma fille, j'ai un livre de peut-être 300 pages. Si ce n'est 400. Kobe Bryant, l'histoire de Kobe Bryant, c'est énorme, c'est costaud. J'ai acheté l'année passée à la FNAC à Douala. J'ai donné à ma fille de lire. C'est un truc qui m'avait marqué chez Kobe Bryant, c'était son éthique de travail. Kobe Bryant, c'était un bosseur. J'ai quelques de ces livres-là au centre. J'en avais acheté un. J'ai acheté, pendant les vacances, je vendais ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de parents, ils ne comprennent pas l'importance. Ils ne comprennent pas. Pourquoi est-ce que j'ai acheté un livre? Je dois dépenser 10 000 francs pour le livre pour l'enfant. 10 000 francs par mois, ça fait dire que par an, tu as dépensé 120 000 francs pour mettre quelque chose dans ton enfant. Et il y a des choses parfois que tu veux dire à ton enfant, tu ne connais même pas comment dire. Parce que tu ne sais pas. Prends un livre que tu donnes à un enfant, il lit. Et tu peux même utiliser les récompenses. D'accord, tu lis, tu finis le livre aussi, là tu as 500. Il finit de lire, tu donnes ses 500. Peu importe le moyen. Hein. Moi, avec ma fille, généralement, elle est tellement obéissante et assidue que... Parce que moi, elle me blaguait pas avec le bâton.
Ça n'en va pas étape. Je sais que vous dorlotez vos enfants, vous cajolez vos enfants. Donc... Elle donne les livres, elle lit. Ce qui te différencie et qui va différencier ton enfant des autres enfants, c'est ce que l'enfant là connaîtra de lui, ce qu'il aura dans la tête de ton enfant. Tu vois un petit enfant de 8 ans comme ça là. Dès qu'elle ouvre la bouche pour parler, mince. L'enfant te dit oui, moi je vais aller aux États-Unis, tu vois, je serai comme telle actrice d'Hollywood. Oui, 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 moi je. Tu dis, hein? Je serai policier. Je serai docteur. Un docteur fait quoi? L'enfant n'a pas de vision. Là, c'est le maître d'école qui a dit à l'enfant. Le maître d'école a fini enseignant. Et il y a de fortes chances qu'en tant qu'enseignant, très rarement je vais voir des enseignants qui vont motiver les enfants. Généralement, c'est le contraire plutôt. Les quatre accords Toltec, après ça, tu ne sais pas quel enfant tu as, donne à ton enfant, il lit. Il y a aussi un livre là, c'est plus des livres anglais que moi je connais. Et à travers les livres, vous pouvez développer le bilinguisme chez vos enfants. Ma fille est parfaitement bilingue. Elle parle et elle écrit. Et elle peut lire parfaitement le français et l'anglais. Tu achètes le livre que tu donnes à l'enfant. Vos enfants partent à l'école anglophone, mais ils ne parlent jamais anglais. Il y a The 4-Hour Week de Tim Ferriss. La semaine de 4 heures. La semaine de 4 heures. Il y a Joseph Murphy, La puissance du subconscient. Prenez aussi les livres de psychologie. Il y a Louise Hay. Louise, H-A-Y. Louise Hay. Louise H-A-Y, Louise Hay, elle a fait beaucoup d'enseignements sur la guérison des blessures intérieures. Parfois vos enfants ont beaucoup de blessures intérieures qui doivent guérir. Un petit garçon comme ça là, il a un bafoussam, tu le simplifies. Enfin, te dis, moi je vais aller dans le Minnesota quand j'aurai 18 ans. Même vos neveux, vous avez vos soeurs qui ont les enfants. Moi, je n'aurai jamais une occasion d'inspirer un enfant, c'est pas seulement mon enfant. Je n'aurai jamais une occasion d'inspirer un enfant. Et quand tu mets déjà la vision dans la tête de l'enfant, l'enfant va croire. Permettez à vos enfants que leur foi porte leur projet. Mon enfant reste comme ça là, il a la foi que je vais partir aux États-Unis. Le pouvoir de la loi de l'attraction, permettez à vos enfants d'attirer leur propre bénédiction. Et c'est que il y en a parmi vous, votre foi est gâtée, c'est pourri. Si on ouvre ta foi là, ça sent. Permets à ton enfant de rêver. Permets à ton enfant de croire. Il peut croire comme ça un jour un de tes oncles perdus qui était arrivé aux États-Unis depuis 20 ans et jamais passé au pays. Soudainement, il dit que je veux aider un membre de la famille. Il tombe sur ton fils comme ça, là, il adopte ton fils. Il prend, en l'espace de 6 mois, ton fils se retrouve au Minnesota. Parce que depuis 3 ans, ton fils ne fait que dire au quartier qu'il va aller aux États-Unis. C'est un truc que je ne fais pas, c'est que je ne garde pas la foi de mes enfants quand je leur enseigne. Je leur dis toujours que croyez pour vous. Barack Obama, quand il est venu, il avait environ 10 ans. Il avait émis un jour le désir. Il a dit qu'il sera le président de la République il sera président aux États-Unis. Parce que vous-même, vous êtes les freins de vos enfants.
Tu as vu quelqu'un dans notre famille même parti un jour. Hein? Tais-toi là-bas. Tais-toi. Va laver les assiettes là-bas, dehors. Tu rêves toujours comme ton père. Vous êtes forte pour insulter vos enfants. Parfois, insulter un enfant, vous allez se dire que yeah, Seigneur. Tu as vu quelqu'un ici à partir en Europe. Tu vois, genre la première personne à partir en Europe. Tu as menti. Allez, va, 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 va me prendre le truc là, tu me donnes. L'enfant passe à se cacher maintenant. Camdem, je crois que tu te crois beaucoup. Hein. Tu te crois toi. Il faut encore écrire, tu as compris. Tu as encore ta réponse. Écris encore. Comprenez que vous êtes en partenariat avec Dieu dans la vie de vos enfants. Vous êtes en partenariat avec Dieu dans la vie de vos enfants. Et demain, quand l'enfant va rester comme ça, là, on va dire, voilà. L'enfant va comprendre que c'était ma mère qui m'avait aidé. Bonjour chevalier, merci. Bon, vous passez une bonne journée. Je vous dis que les livres sont disponibles. Ceux qui commandent, les livres pour les enfants, mon cahier de vision. Et puis, il y a mon cahier de vision pour l'enfant. Et puis, il y a le livre des adultes. Comment planifier le futur de son enfant. Ça, c'est le livre pour le parent. Mon cahier de vision, c'est le livre pour l'enfant. Voilà. Vous passez une bonne journée. Qui m'a appelé? On a appelé. Je suis à